Je ne vais pas me faire parler de ça. Puis après, nous allons développer la nouvelle là pour aujourd'hui. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous Sofia TV 83. Réseau d'information. Et c'est là pour nous qu'on ou informer. Normalement, on a parlé là. Nous connaissons le commissaire Miskade pas joué. Et bien, pour le moment, Miskade mettait en bas de bien bonnet matin. Agence sécurité, ministère éducation nationale, qui t'a fait tête lui passer pour raqueter, café, passeport. Entendez, il y a gros déblos à répéter. Agent en bas de mais pour l'instant, l'iname Miskade, personne ne peut connaître qui ça après le passé, et c'est ça nous t'apprenons pour l'instant côté NAP enregistré vidéo ça. Nous t'apprenons ancien sénateur Assemblée nationale. Là, nous voulons parler de Dieucel Simon Dera qui attaqué matin par des bandits. C'est dans la zone Fort Jacques. Il y a 10 machines sénateurs qui ont criblé en babal. Et pour le moment, sénateur a pris soin dans la capitale pays d'Haïti. Il y a un ancien colonel l'armée d'Haïti, Imler Rebi, qui dit qu'il y a un problème grave dans l'annonce autorité canadienne. L'el dit qu'il y a un avion qui a patrouillé sous tête pays d'Haïti. Colonel a dit c'est un message. Yo voye bay gang yo pour yo di yo caché, y'a vin chercher yo. Cependant, et selon colonel là, il dit opération toujours été secret, ils ont agi selon conséquence sans que yo pas ni voyer monter ni pas l'empile, c'est retour garder ou VPT brigandai gaï. Mais parler en pile bandi a commencé faire la plier les boutons et qui vite l'homme là débarqué dans même zone ça Fort Jacques, il t'a fait qu'on essayé même tout qui t'a à l'origine Zach ça en pile coup de balle a tiré dans moment n'a pas lié là. Mesdames, messieurs, on nous entre dans détail information plusieurs points pour faire essentiel dans le journal là pour journée aujourd'hui. Mauvaise nouvelle quand même qui tombe matin hein, parce que mon capitalisé zone Fort Jacques bandit vite l'homme yo yo abandonné ou bien couru qui des zone yo côté OTA fief yo dans peignier, mais depuis hier yo ouais défilé jeune garçon à gros âme dans yo dans zone Kinskoff, spécialement zone Fort Jacques. C'est la même que M. Almed Bazio a essayé de se capable de mettre un autre annexe, c'est-à-dire le conseil dans la zone. Il y a un ancien sénateur, Dera Simon. Eh bien, monsieur est une victime. Il n'est pas mort, c'est vrai, mais machine est criblée avec balle. Il t'a même blessé, non pour être lié avec balle, d'après information que tu avais joindre. Ça passait bien bon matin, 7 février 2023, dans la zone Fort Jacques, dans Pétionville, Port-au-Prince. D'après information que nous avons recevoir matin, il y a plusieurs impacts balles sur la machine. Mais toutefois, agent sécurité, ancien ministre, en tout temps, réagit pour. Alors, on dit que des ratés ministres, nous rappelons-nous, sécurité, M. Guétan réagit pour M. Pat Guétan mourir, lui sauver la vie et des rats. Et de l'autre côté, ancien candidat à la présidence, ancien sénateur de la République, là, M. la ville pas en danger, mais elle t'a blessé avec un balle dans le bras, d'après information que nous faisons. Justement, on a parlé là, il y a une information que nous connaissons que. Gen coup de zam capturé dans zone Fort Jacques là dans zone Fermat et tout matin moun pas capable mettre prendre tête dehors l'école pas l'ouvrir et donc prudence de mise si gen moun nan Port-au-Prince qui ta dans zone ça déconseiller le prend la rue parce que monsieur bandi groupe éviter l'homme yo fin aoyo yo pa yo puisque déjà yo annoncé ta gen plus que 7 bandits qui ta mouri dans opération la police te almené hier. Donc monsieur yo vraiment a fait la pluie et le beau temps dans zone nan Fermat et ces zones Fort Jacques que monsieur yo prend. Alors pour ça qui pour avec Vitelhomme sont moun ki cher en pile dans pays d'Haïti, faut gen kòb pour acheter Vitelhomme. Non seulement que le gouvernement, la police dans le pays d'Haïti mettait 10 millions de gouttes pour les gens qui ont fait le joindre Vitelhomme, nous avons le cher, et mais ça pourquoi rien. Le gouvernement américain, FBI, mettait 1 million de dollars de Yokouni là pour Vitelhomme. 1 million de dollars américains pour Vitelhomme. Vitelhomme va nous cher. Allons, Vitelhomme. Vitelhomme innocent coûtait en pile l'argent. Et d'après ça, qui t'a sorti bon côté FBI, qui c'est Federal Bureau Investigation, eh bien, yo prêt pour l'offrir, moun qui t'a joué bay information, pour yon mette main ou bien qui côté Vitelhomme caché, kounye la, qui c'est chef gang Torsellan, Vitelhomme innocent, et arrêté li, eh bien, monsieur c'est chef gang Kazé Barrière tout,
yo prévoit pour bay moun sa 1 million de dollars américains. FBI fait remarquer que il y a plusieurs accusations qui ont déposé beaucoup de plusieurs tribunaux dans le pays États-Unis contre mouché sa qui relevite l'homme innocent. Récompense là c'est 1 million de dollars fait si toutefois que moun ta bay département d'État américain bonjour information et qui côté lié et permettre que arrêter le. Je ne vais pas me faire mal de ça. Tout deux sur vrai. Ça met yo. Et pour Jean. Qui est Jean ça? Jean de Bamboué. Qui est Jean? D'avant valise dans le dollar. Qui va le travail? Michel, vous avez Michel Batman, Michel là. Michel là, quand Michel l'autre bord. C'est pas sécurité éducation. Oui. Soit une fait dans l'immigration. Qui est le directeur? Qui est le directeur? Directeur qui est dans le volet? Directeur de sécurité parle. Meni, tout ça c'est Brest. Tout ça c'est deal qu'a fait. OK? Moni qui dormi dans l'igno, pas capable de passer, mais raquette yo a fait Brest, il a fait deal. Meni, c'est comme ça lié. OK? Chaque ça gon le cop qui prend. Ani. L'autre vous te mettre deal là, va toi. Bon, DG, bon, c'est bien, je vais vous montrer un chemin. C'est quoi ça, lié? Ok? Pourquoi vous passez des lits? Madame Cavasse, c'est bien, là. A été toujours aidé à traverser dans les forges Jacques Fermat la boule et connait dernier temps si là yo et comment que nèg on dit armé en l'air dans zone ça yo prend en l'air forges Jacques en otage habitant qui dans zone ça après le Amway y a lancé cri et d'alerte beaucoup autorités policières yo pour garder comment que yo capoteau c'est quoi avec nèg ça qui décidé à pas théoriser population dans zone ça il s'est fait. À n'importe moment que j'en dis, nous avons Abdias Aristide qui a aidé à traverser. Surtout qu'on est, mais faut Jacques Fermat, souvent Gema dans sa ranouille, qui sorti dans le jardin pour yo al gade, alors, quand récolte dans le jardin, et puis on dit pour la ville, soit dans le centre-ville Pétionville, ou bien pour dans l'autre marché encore, pour moun ka consommer et même pour chercher la vie. N'a fait qu'on est tout grimpé le citoyen hier qui était relé dans différentes émissions qui fait sur antenne radio, surtout dans la localité François, Belleville-la-Montagne, 4e section en les 15 coffres, moun sa presque déserté net qui était caillou, depuis l'ennec armé, yo même décidé envahir zone ça. N'a fait qu'on est munis pas son week-end en tête chargée dans différentes localités. Non, en l'air, dans Keskov et dans Piro, dans Pétionville. Côté, c'est gros hôtel chargé. Hier là encore, non capable. Situation était très, très compliquée pour mon différentes localités. Ça y est, côté Negio, yo entré, Kaimoun, yo Batmoun, yo violé mesdames. Et yo même posé Zaka kidnapping selon témoignage divers habitants dans zone si là. On a fait qu'on ait gagné un jeune médecin, nous apprendre information qu'une car a fait confiance. Jeune médecin, ça que tout le monde connaît sous nom, docteur Sadre. Que bandit kidnappé dans zone Lotin. Lotin sont localités qui pas trop loin Fermat. Fermat nous connaît qui trouvé dans la commune Keskov. Mais action ça produit que ces individus pas arrivé identifié. Selon ça, divers habitants même yo fait qu'on est côté nèg pas arrivé identifié aller beauté on dit docteur Sadrak dans localité Lotin hier matin lundi après avoir fini chanter bal dans différentes localités dans zone ça qui était créé au gros vent panique entre Kamounio et même rivé violé mesdames yo n'a dit là un individu ça qui dégue gros âme nan meyo selon témoignage divers habitants nèg sa ou ta fait partie membre groupe gang vite l'homme innocent selon ça ou dit qui t'a opéré dans zone ça quand t'a pour fois Jacques aux alentours toutefois mais nèg yo censé contrôler en pile côté dans zone ça qui donc semblait nèg même ta vle ta on dit même contrôler l'espace fort et qui je dis là nous connaît fort Jacques c'est un patrimoine lié si je dis à te bien dans situation ça ou qu'à imaginer comment que selon témoignage à plus monde faire qu'on est en l'air comment que nèg paraît très puissant mais dans cas ça citoyen continue à demander avec autorité concernée pour yo di yo mot par rapport avec la situation qui a connait depuis quelques temps en dans pays surtout en l'air dans zone si là la police qui fait connait la possible avec ces opérations
que le temps depuis week-end ça là contre Andy Denek armé, surtout Denek armé et Andy Vitelhomme que la police a cherché coucher fou et la police qui même mettait et 10 millions de goudes sous tête tout ça pour quel que soit moun qui t'a aidé la police à joindre côté tout ça et même aidé la police à démanteler les groupes gang ça qui Vitelhomme a dirigé qui basé dans Torcel mais qui est papillé là dans pile côté dans pile dans question ville là et Kounia monsieur a privé dans niveau 15 coffres dans diverses localités. Toujours question de sécurité à l'ancien colonel Himmler Rebu qui démentit autorité canadienne qui fait quoi avion militaire qui mission contrôler mouvement gang en Haïti. Ancien militaire a précisé avion ça a été construit pour contrôler la main par rapport à mouvement trafic drogue. Dans l'histoire ça rien yo responsable a quoi c'est une blague les autorités canadiennes yo ont annoncé sur les réseaux sociaux yo y a contrôlé gang yo mouvement militaire pas jamais annoncé c'est toujours effet surprise selon Himmler Rebu en côté déclaration de micro Romanès samedi. Un avion spécial que l'armée canadienne a développé pour te mener enquête sous bagay qui a passé dans l'armée. Qui a des radars qui sont capables de détecter des bagay qui liés à milieu maritime. Mais pour qui ça y fait avion ça? Pour qui ça y fait? Il y a des sonars qui sont capables de détecter activité moun à faire drogue sous la mer. Des bagay qui sont perturbé espace et sécurité canadien qui lié avec la marine. Mais pour qui ça avion ça a fait? Pour qui ça l'a suivi le ciel haïtien là, finalement? Mais pas connaît, c'est moun qui fait le connaît. Pourquoi y a un an de question? Avion rentré dans l'espace aérien haïtien. Qui moun qui prend le faire nous comme ça? Yon ambassadeur yon pays étranger. Superstar Sébastien Carrier. C'est lui-même l'Elba et Menti dans le pays. Même si gros journaliste d'expérience, il dit ça, il dit assez menti. Il y a pris beaucoup. Bon, peut-être même que l'autre monde a arrêté. Il y a pris, on n'a pas le droit, dit le président Sébastien Carrier. Non, excusez-moi. Ambassadeur Sébastien Carrier, bah, il m'a dit. Que, bagay qui est là, comme nos métiers que me connaît, pas jamais de publicité dans l'affaire militaire. Affaire militaire, c'est le premier cartouche là tiré et mis en dévolonté tout brûle. Donc, bagaille a fait publicité qu'a fait autour d'un avion, ça. L'imam image en Haïti, le commissaire du gouvernement ou bien juge d'instruction fait un mandat pour le voyer par la police, pour la police à stationner comme par la société à problème, et puis on est dans la guerre contre le mandat dans la presse. Là où on voit un mandat, pour arrêter tout le monde, pour qu'il y ait un dans la presse, qui sort du monde là? La guerre. Ah. Ouais, donc, après ça, vous ne pouvez pas dire que vous avez dit. Pas de l'aime ton nom, pas de l'aime ton nom, je dois vivre là. Non. Quand vous comprenez, vous prenez vos opérations militaires, vous ne pouvez pas reconnaître. Vous avez des conseils d'écrivains, même qui tombent par là. Qui dit, c'est un avion qui pourrait faire relevé cartographique pour comprendre précisément côté bandioué. Je connais côté mon ça apprend science militaire, je connais effectivement ou capable de faire une reconnaissance aérienne pour gagner ça les précisions son positionnement physique dans l'espace géographique. Mais l'on fait reconnaissance aérienne ça, c'est parce qu'on a intention à bombarder zone pour faire une reconnaissance de vérification pour les avions. Hélicoptère a passé pour être capable de connaître pour monde qui a tombé de manière précise côté au besoin, parce que le conseil de coordonnées géographiques que vous prenez, et c'est lui-même qui a mis son appareil qui a utilisé pour ne pas tomber de l'autre côté, un côté qui est différent de côté au plein. Pour la déclaration, colonel Himmler Rebu, c'est colonel Himmler Rebu lui-même qui t'a préagi concernant question avion ça. Effectivement, gagné ministère anti-rappel sous dossier ça, sous ça comme information. Gagné ministère canadien affaires étrangères qui a défense qui était confirmé dimanche qui était 5 février, qui était déploiement en Haïti. Ça n'est les aéronefs patrouille à long rayon d'action. CP et tiré 140 Aurora, avion Royal Canada, un GSA qui est même déployé dans l'espace aérien haïtien. Lila pour le cas perturbé, alors t'es là, t'as fait voyage, alors t'as gardé en l'essa, pour le cas perturbé, ça n'est l'activité gagnée en Haïti et démontrer tout engagement pays Canada lui-même, les prend envers Haïti à travers communiquer ça. Gagné un ministre canadien défense Anita Anand qui partageait en premier tweet relatif avec communiquer ça qui concernait, ça n'est
déploiement avion ça à travers communiqué ça autorité canadienne a précisé que avion ça patrouille ça l'ipral alors la fournie capacité renseignement surveillance dans activité gang au côté logique côté localisé et cap aider la police nationale d'Haïti lui-même pour arriver démanteler tout bon vrai et gang yo. Ça c'était exactement information qui était by bon côté jandia ministère canadien affaires étrangères avec défense qui t'est confirmé, effectivement, t'es un avion qui tape, on dit, voler dans l'espace, à pays, pour tes cas, j'en dis, et contre l'activité gangio, en dapé d'Haïti. Réseau national, la groupe 5 est négatif, est plongé dans la peine, depuis après kidnapping Jean-Tonine Lorté. Il y a un membre important dans Renaxan, coordonnatrice Tissa, Nancy Lénément de Libération Journaliste, avec deux proches liés qui paguent l'argent, Badi Hop exigé, un côté déclaration dans le micro Jean-Philippe Massé. Premièrement, nous prenons journalistes paguent l'argent. Ça, c'est tout le monde qui compte ça. Une catégorie de monde, journalistes, professeurs et médecins, il n'y a pas de monde qui gagne l'argent. Et famille a traversé une crise pendant 4 dernières années au côté que dans funérailles Jean-Tony Lorté après hein, c'était une belle sœur qui fait 4 ans a souffert un cancer du sein et qui vient par la suite mourir. Ça veut dire tout ça nous te gagne presque investi ou bien dépensé dans la question traitement mes belles sœurs et c'est justement vendredi soir pendant que li pralé dans funérailles là yo kidnappé li dans zone la boule et il y a des contacts qui fait avec famille déjà et nous même la presse nous au courant de ça et yo mandé une somme exorbitante en fin de compte pour ta joindre libération et c'est pas seulement les mêmes qui dans mes ravisseurs yo mais gagne tout de l'autre monde qui t'est accompagné qui dans mes ravisseurs yo tout nous même au niveau de Renaxan et n'a dit que c'est un monde tout le monde et personne ne pas mérité vivre un bagage comme ça c'est vrai que divine monnaie courante dans pays d'Haïti mais chaque le frapper un monde qui plus proche ou comprendre tout ou recomprendre dimension douleur de ces mon a vivre et madame dans son monde qui inconsolable et qui pas même qu'à digérer une situation pareille. Et nous pensons que nous dit à moun qui séquestre Jean-Tony Lorté, certainement, yo contente le tout. Yo tente le non-radio, son journaliste de carrière, et pas bon monde qui est capable de pas contente le non Jean-Tony Lorté. Et nous même, au niveau de Renaxan, nous t'a souhaité que, espérer, ou bien demander la vie sur nous pour t'a libérer le sans son. Parce que famille n'a pas les moyens pour répondre à l'exigence que la vie sœur nous fait. C'est vrai, négociation n'a pas avancé, mais famille n'a pas même proposé un bagage. Et voilà, ça c'est Nancy Lenné, vraiment Nancy Lenné, qui nous connaît, c'est ça, c'est collaboratrice et Jean-Tony Lorté dans Renaxan, ok? Dans Renaxan qui a collaboré sérieusement dans Renaxan nos gens c'est vers ce là côté c'est on dit yon estricti qui là dans affaire question et moun qui gè groupe sanguin négatif yo côté mais Renaxan accompagne pour moun si la yo nan qui comme donneur de sang mais donc c'est ça nous capable de signer dans ces délais c'est parce que li gagnent de très bonne collaboration avec Jean-Tony Lorté à travers Renaxan. Toujours même de ces agents sont tendés dans Sélénée à côté dans Zakia kidnapping qui fait là. Ben, ils ont kidnappé tout, ils ont un grand frère, Jean-Tony Lorté, ensemble avec lui, c'est Audner Lorté. Mais bam, dis-nous ça exactement ça qui arrivait là. Ben, hier lundi, qui était 6 février 2023, mais frère, grand frère Lorté, ça qui c'est Audner Lorté, monsieur c'est professeur et physique et mathématique en lycée Jean-Jacques Dessalines, il fait qu'on en pile côté, tant qu'on Catherine Flona Cafou, en pile l'autre côté, monsieur fait coup, mais hier, élève lycée Jean-Jacques Dessalines qui trouvait dans avenue Christophe, mais il y a même là, à Saint-Maca, professeur, t'es décidé là, camper de travail, côté professeur qui a élève dans le lycée Jean-Jacques Dessalines a exigé libération Audner Lorté qui c'est professeur mathématique et physique dans le lycée Silla. Professeur Jean Dédilan, monsieur c'est grand frère journaliste à confrère non qui c'est Jean-Tony Lorté dans Radio Vision 2000 badio kidnappé ensemble avec Lorté dans la nuit qui était vendredi 3 février passé dans la boule 12 qui donc élève yo, professeur décidé camper pour pas de travail dans
lycée Jean-Jacques Dessalines pour exiger libération Odner Lorté que bandit kidnappé. On dit même là avec Frel qui Jean-Tony Lorté qui t'a pralé. Jean s'attendait dans intervention Nancy Lenea qui t'a pralé dans funérailles un proche dans Carrefour nous t'a évité route Matissan passer par les boutiques de la boule Negaxam t'a pral mettait la patte sur yo et qui mandé et $200,000 mon dollar pour libérer et toi libérer Mounsilayo. Jean Tedilan te dit à l'époque moment que nous avons venu avec Abdias Aristide puisque nous connaît et pour raison situation pour traverser en l'effort Jacques la boule mais il était question pour Abdias lui-même t'es d'abord contrôlé pour le traverser regarder comment il se passe temps et d'abord pour le traverser pour l'aider de traverser tout et ça fait là nous prêt aller avec Abdias Aristide pour nous connaît comment route ça lever pour matin est-ce que nous qu'à traverser Abdias Aristide, comment ça est pour matin en l'air? Abdias? Allô? Oui, Abdias, comment ça est pour en l'air matin? Est-ce que traverser est possible? Causer insécurité à lui-même, les continuer à parler terrain et la frapper porte commune 15 coffres là très fort hier. Joseph Woody, c'est un jeune garçon qui est tombé dans la zone 15 coffres a passé hier après-midi dans une zone qui est dépassée, Goudé, dans la commune Kenskoff, j'ai un garçon ça lui-même qui arrivait victime en balle après avoir gagné une discussion entre quelques chauffeurs moto. Et selon toute information, nous lui besoin, j'ai un garçon ça lui-même, lui était dans le jardin, lui n'était pas dans la discussion, mais malheureusement, c'est lui-même qui tombait en balle. J'ai une nouvelle intérêt, j'ai gagné tout côté pour zone Fort-Jacques, et bien c'est avec un pile désolation, avec un pile qu'elle sautait, zone ça lui-même, lui réveillait hier matin en bas coup de balle. Côté que bien bandit vient dans zone nan fait en pile des gars kidnappé on est juste qu'il y a des monde qui tombé en babal c'est une réalité comme ça qui fait zone ça lui-même l'style blanche de hier pour arriver matin hein, pendant que n'a signalé tout en pile moi même yo déjà commencé quitter zone nan des citoyens qui commencé à chercher l'autre côté pour mettre koyo et ben des monde qui déjà quitté zone Fort-Jacques et quand du matin à la blaise nous levé avec un monde Fort-Jacques qui très blanche et quelques machines ou bien moto qui tentaient passer c'est avec toute vitesse c'est avec vitesse pour nous-mêmes de traverser cette zone-là. Mais il faut nous dire, là, il n'y a pas rien comme obstacle. Pour le moment, on n'a pas allé à là, pas rien comme problème. Et il y a un monde qui a bien pour sortir la caille, qui sont pas les non-activités, qui va travailler, qui a besoin de mener tout le monde à l'école. On a dit, pour matin là, tout le bagage paraît OK. Nous, bien dit, tout le bagage paraît OK. Et il n'y a pas rien dans la rue là. Pour le moment, on n'a pas allé à là. Mais il faut nous dire, là, vraiment pas rien. Même quand il y a des monde qui conserve soit à pied, soit machine, ou bien avec moto, c'est ça la réalité. Il faut que nous tous en route, et nous traversons pour nous faire matin, sans présence la police, sans présence la police, on dit la police même tout, qui toujours campé en mode bon pompier, à chaque fois, bagaille passé, et bien, ils viennent eux-mêmes, ils font apparition. Zone fermate, activité eux-mêmes, ils déjà rebalancé pour matin là, fermate tout bagaille, ok, on a gardé marchand eux-mêmes. Il a fonctionné sans problème. C'est pas même quantité agence à lui-même qui compte chaque mardi qui joue marché. Mais quand même, il est là, il a regardé comment il est capable de bouger. Il y a un bus, il est capable de charger, camionnette, il est capable de charger. L'autre monde qui prend le travail, quelques monde qui prend le prêt, petit en soit pour une équipe d'école. Quelques n'a là, il a déjà commencé à prendre bus pour descendre dans la direction ça. Il faut plutôt commencer avec quelques bus qui a sorti dans la direction Fort-Jacques. Et des machines eux-mêmes qui obligent tant de les signes, c'est clair net pour capable de traverser dans la zone ça. C'est réalité, hein, qu'on est là pour tomber hier soir. Et ça qui fait que zone fermée, lui-même, vraiment dans la ville fatale, dans tout le fatale, dans la boxe. Surtout zone l'église là, il est important pour responsable de regarder comment il est capable de faire un coup de balai pendant la journée pour nettoyer zone ça. C'est comme ça réalité, et pour matin là, on a plutôt pour nous continuer à rester branchés, mes cas, une fois que y a des informations supplémentaires, nous sommes capables de partager ensemble avec vous pour te servir au matin. C'était Abdias Aristide. Voilà, merci à Abdias Aristide qui a été traversé là. Je viens de dire, dans le niveau Fort-Jacques qui a fermé. Non, tout garder ça non avant que nous en dipé loya dans question Zakia kidnapping et rectorat université d'état d'Haïtien qui dénoncé Zakia kidnapping qui fait dans zone Canaran sous rectorat université publique bas la Tibonite. C'est monsieur Wilfried Hazard à deux autres proches qui étaient ensemble avec lui. Zakia kidnapping ça passé lundi qui était hier lundi 6 et février hein. Côté rectorat, elle même exigé libération sans condition. Et on dit recteur université publique, par la Tibonite, Wilfried Hazard, ensemble avec deux autres qui étaient ensemble avec les bandits kidnappés. Ayant le disant, dans la zone Canaran, pendant que nous avons rappelé tout, semaine passée, rectorat a exigé libération
un certain de M. Lajoie, qui est un chauffeur, faculté et sciences et alpha, qui est de droit accès économique à Port-au-Prince. Est-ce que M. Lajoie est libéré? Encore question en cap posé. Pour nous dire bien, za kidnapping yo qui pas campé, et c'est en pile côté dans la région métropolitaine Port-au-Prince, non, bandit pas chômé dans le kidnapping. Moun. Dans la fête, bon, et la jeune Haïti, puis bon choix, y'a un monde qui va faire. Oh, dans la fête, la m'arrivée à temps. Oh, dans la fête, c'est le point qu'a criant. Oh, dans la fête, nous met à temps tout penser. Oh, dans la fête, solution nous poser. Oh, dans la fête, l'argent vini, poche nous remplit, nous n'a plus de vie. Et voilà, merci à pile, merci à pile. Nous retournons après pause là pour nous avancer avec information toujours dans le journal Méga Matin. Jean Dédil là, c'est deuxième sortie nous pour ce maintenant. Nous t'ai déjà attendu, on dit ensemble des acteurs Sayo. Nous t'ai attendu colonel Imler Rebus sous question, on dit avion canadien ça qui est à voler dans l'espace noir pour te cajon te dit là à travers ensemble ministère Sayo pour contrôler les perturbes activités gang yo. Nous t'étendons des réactions Nancy Lenné qui est responsable réseau national groupe sanguin négatif et relaxant. Les mêmes t'as pas parlé sous question. On dit Zach Kidnapping qui fait ce qu'on ferait nous dans Radio Télévision 2000. Jean-Tony Lorté ensemble avec Caproche-Li samedi en l'air dans La Boule 12 à côté. Mais information offert quoi là? Mais nous prenons venir avec une visite officielle qui t'a dû faire à bon côté. On dit recommissaire Guamoun Volker Tuk qui t'a dû en visite en Haïti à partir de demain, mercredi 8 février 2022. Recommissaire Nations Unies dans affaires droits monde Volker Tuk qui a gué pour l'en visite en Haïti en mission officielle. Une mission officielle qui a duré deux jours, qui a commencé à partir de demain, mercredi 8 février. Question invitation gouvernement haïtien, qui donc gouvernement haïtien, qui a fait invitation avec un haut-commissaire des Nations Unies dans les affaires de l'homme, Volker Tuk, pour aller en visite en Haïti. Pendant la visite, ça, haut-commissaire lui-même, l'a pour le rencontrer un ensemble de hauts fonctionnaires dans le gouvernement, dans l'État. L'a pour le chita parler avec un protecteur citoyen, René Edouville, agent sécurité dans l'État, représentant un pouvoir judiciaire, qui donc acteur qui n'a un pouvoir dans la justice payant. L'a tout pour rencontrer membre organisation dans société civile andi victime zak ka violence nan question droit moun nan Port-au-Prince la gè pou chita parler avec ensemble de moun sa yo monsieur Volker Tuk a gè pou le renni tout nan Wanamet nan département nord-est paysan la gè pou rencontrer avec autorité locale avec organisation nan société civile nan andi nan Wanamet pendant fin mission pas oublier ces deux jours la commencer demain mercredi la fait jeudi jusqu'à vendredi. Bien, nous fait mission li vendredi 10 février, hein, mais recommissaire là lui-même t'a doué en dit présenté en conférence à de presse dans Port-au-Prince à 9h dans matin dans local lieu assurément côté que t'a doué côté t'a doué présenté en conférence accès à conférence de presse là il réservé avec journaliste qui bien média qui a accrédité pour participer. Bon ça c'est pas trop détail pour mettre sur lui, mais ça qui est important c'est que Volker Tuk, haut-commissaire aux Nations Unies dans affaires droits moun, lui-même l'a en visite, l'a en mission pour me dit bien en Haïti sous invitation au gouvernement qui gagne la tête Ariel Henry, l'a en Haïti à partir de demain mercredi 8 février qui aboutit jusqu'à 10 février. Jean Tédian rappelle, hein, mais le commissaire droit moun dans la société des affaires de droit moun, là, qui vous rencontrez, haut fonctionnaire dans le gouvernement,
l'abgé pour le chita parler avec protecteur citoyen, l'abgé pour le chita parler tout avec agent sécurité dans l'État, représentant pouvoir judiciaire, ensemble maintenant organisation dans la société civile, avec victimes de violence dans la question droit monde dans Port-au-Prince, l'abgé pour le grand nettoyer dans Wanamet, dans le département nord-est pays d'Haïti, côté l'abgé pour le rencontrer mais autorité locale et organisation dans la société civile dans Wanamet et dans vendredi Kabdi Islan, l'abgé pour la mission la prend fin, l'abgé pour Andy, côté la presse, pour présenter Andy bilan mission là, en Haïti, d'après ça qui dit comme information. Jean, nous a été annoncé ça hier matin dans le journal là, dans une cérémonie qui déroulait dans le ministère commerce et industrie, sous Chan Massa en présence de diverses personnalités dans le pays en cours diplomatique. Premier ministre a réinstallé hier le dire au conseil de transition, chef gouvernement qualifié victoire, cérémonie ça qui finalement prend mettre fin. Avec dysfonctionnement institutionnel d'après Premier ministre Ariel Henry qui remercie trois personnalités qui ont été acceptées par tête comme sacrifice pour sortir pays en crise. Cabras et Billy, journée aujourd'hui, on écoute Ariel Henry pour plus de détails dans le micro Jean-Philippe Massia. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Avec l'installation officielle ce matin des membres du Haut Conseil de la Transition, nous pouvons dire que c'est le commencement de la fin des dysfonctionnements de nos institutions démocratiques. Une femme et deux hommes se sont mis debout, répondant à l'appel d'une grande frange de la population. Ils ont vu la situation critique du pays. Ils se sont dit, rejoignons l'équipe gouvernementale, unissons nos efforts, changeons ensemble la donne. C'est un déclic, invitant toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, à unir leurs efforts pour le changement que nous appelons de nos voeux. Madame Mylène Maniga, Monsieur Laurent Saint-Cyr, le révérend Calix Fleuridor, au nom du gouvernement de la République, au nom du peuple haïtien et en mon nom propre, je vous dis simplement merci. Merci d'avoir accepté de vous engager aux côtés de ce gouvernement dans la noble et ingrate tâche de servir notre pays en ces temps difficiles. Vous avez été choisis respectivement par les partis politiques, le secteur privé et la société civile, selon le prescrit du consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Je sais qu'il vous en coûte d'avoir accepté les contraintes multiples qu'impliquent vos nouvelles fonctions et ce que cela représente pour votre famille. Le titre même du document du 21 décembre 2023 nous indique le chemin que nous aurons à parcourir ensemble en vue de tout mettre en œuvre pour créer un environnement propice à l'organisation des consultations populaires et faire tout notre possible pour rassembler un maximum de compatriotes autour de ce que nous allons faire. Dois-je rappeler ici, certains m'ont reproché d'avoir consacré trop de temps à chercher à convaincre d'autres compatriotes à adhérer à la démarche initiée avec cet accord. Mais, vu de moi, il était essentiel de continuer à dialoguer en vue d'élargir le consensus et de rassembler davantage de compatriotes et de secteurs autour d'un pacte de gouvernabilité. Vous avez eu de la patience d'attendre que davantage de compatriotes rejoignent la démarche initiale. Ce faisant, vous avez rendu service à notre pays et contribué à la concrétisation de la cérémonie d'aujourd'hui. Madame, messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, je vous donne la garantie que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous procurer les moyens nécessaires pour vous mettre en situation d'accomplir votre mission.